Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Ça faisait longtemps, oui, ça faisait au moins 2 semaines que j'avais posté très peu de contenu, à part justement le tournoi, qui était très agréable, et une petite vidéo qui vous expliquait pourquoi j'ai posté si peu de contenu ces derniers temps. Alors, je vous invite à aller la regarder pour toutes les explications, etc. On va parler un petit peu de ce qui va venir soon sur la chaîne. J'ai un peu décidé de comment ça allait se passer pendant les vacances. Sinon, sachez que je viens de me faire niquer puisque je viens de faire un record, d'ailleurs je vais vérifier. Ça fonctionne bien puisque j'ai fait un record avec le plus gros Yogg-Saron possible avec ce deck. Puisque vous le reconnaissez, c'est le voleur Yogg-Saron. Alors il nous manque en bas du deck, ouais c'est bon ça enregistre bien. Il nous manque en bas de la decklist Yogg-Saron bien sûr. Et tout en haut, attaque pernicieuse qui est un peu mordu. Donc là vous le voyez, il y a attaque pernicieuse, Yogg-Saron tout en bas. Donc pensez-y sur la decklist. Alors pour ceux du fond qui suivent pas très bien, vous remarquerez que ce n'est pas tout à fait la même decklist que la dernière fois. Je l'ai modifié, il y a des cartes qui sont rentrées dans le deck de manière un petit peu bizarre, vous allez trouver. Mais vous verrez qu'elles sont très efficaces et rendent le deck beaucoup plus stable. On note Yogg-Saron. Bien sûr, on a rajouté Yogg-Saron dans le deck Yogg-Saron, il n'était pas dedans avant, alors forcément c'était moins bien. Non, pas du tout. On a rajouté Finlay Morgulton, je crois qu'il se nomme, simplement pour tenir un peu plus les aggros. On a... Alors, pour avoir quoi? Pour avoir du soin, tout simplement. On a rajouté Reno, qui peut paraître très bizarre parce qu'on a énormément de doublons, mais si vous regardez bien, on pioche tout notre deck, hein. Et en général, on meurt quand on fait Yogg-Saron et qu'on a plus de cartes dans le deck. Et bien là, ça nous donne une possibilité de rester en vie. Tout simplement. Et on a également rajouté Embusqué, qui est une carte qui au final rentre plutôt bien dans le deck, puisque nous arrive souvent d'avoir des tours complètement vides où on n'a rien à faire. Et du coup, on peut se permettre de faire ça, ce qui est très correct, puisque à la fois c'est un sort, et en même temps, ça nous permet de déposer une carte supplémentaire... pendant le tour, quoi, afin de faire quelque chose de très correct pendant un tour 3 un peu vide. Alors, ici. Oula, ma souris est partie en couille, excusez-moi. Du coup, on pourrait... Ouais, c'est bof, hein. Je pense qu'on va le faire quand même. On va juste faire la dague. Un petit backstab. On a double backstab en main, on a la pièce, on a différentes choses pour trigger l'agent, donc... On avait quand même... Enfin, j'avais personnellement très envie de le poser sourcil, mais bon, tant pis. Faute de bon plan, on va le faire comme ça. Donc j'ai fait, comme je le disais juste avant, le meilleur Yogg-Saron que je pouvais. Sauf que le son a pas record. Et oui, et là on est content, bien entendu. Par contre là le son me gueule dans les oreilles, on va le faire un peu moins fort. Voilà. Et bah voilà, bah, il nous donne une très bonne cible pour sortir enfin notre petit... notre petit agent. Et donc je suis un peu deck. Donc sachez que j'ai fait 33 cartes. Mon record était 32, là j'ai fait 33. Logiquement on peut pas faire plus avec le deck. Après on peut faire plus si l'adversaire nous donne des sorts. Ça c'est faisable. Ok bah ça c'est cool. Ça nous permet de tempo, d'aller le chercher comme ça. On récupère du board. Nickel. Voilà voilà. Alors sinon pour les semaines à venir, donc je voulais vous en parler un peu. On en a déjà beaucoup parlé dans la vidéo blabla. Donc je vous invite tous ceux... Ok. J'invite tous ceux qui se posent des questions sur qu'est-ce qui va se passer pendant les vacances à aller voir cette vidéo, j'en parle un petit peu, je parle donc aussi de beaucoup d'autres choses. On va peut-être juste loot ça pour aller chercher de la pioche, on a vraiment besoin de piocher avec ce deck. Donc là, oui, alors pour les semaines à venir, normalement cette semaine il n'y aura que du Hearthstone. Alors je vous cache pas, je l'ai déjà dit mais je le redis que ces temps-ci... Très très bizarre comme play. Très bizarre. Bon, admettons. Enfin, je comprends pourquoi il a fait ça, mais ça reste bizarre, je trouve. Alors, ici. On va simplement tempo encore un tour et on fera notre petit ami au prochain tour, je pense. Oui, j'avais pas trop envie de jouer Hearthstone ces jours-ci. La preuve, j'ai mes 3 défis. C'est pour vous dire, ça fait des siècles que ça m'était pas arrivé d'avoir mes 3 défis full. Mais là, voilà, bon, bah, parce que le jeu tourne un peu en rond. Donc, cette semaine, ça va être beaucoup de deck fun. Comme je l'avais dit dans la vidéo blabla.
Donc on va surtout beaucoup parler de trucs un peu rigolos comme ce deck. On va pas en parler, on va les jouer d'ailleurs. On pourrait Torii-san maintenant. On pourrait Torii-san maintenant. Il faut absolument qu'on garde une pièce. Je pense qu'on va le faire. On n'a pas trop besoin de piocher maintenant, maintenant. Je pense qu'après on part sur un plan pioche, into, on fait le combo, tout simplement. Quelque chose du genre. Donc oui, j'avais pas trop envie de jouer, donc là je m'y remets un petit peu tranquillou. Donc pas de deck construit a priori cette semaine, à part peut-être un... Enfin, il y aura un nouveau deck fun, ça c'est sûr. Mais a priori pas de deck vraiment construit quoi. Ok, alors ici. Ici je pense qu'on va y aller là-dessus. Hein. Alors déjà, on dégage ça. Ça me paraît à peu près obligatoire. Ok, bon bah, l'attaque pernicieuse qui arrive un peu tard. On va prep pour piocher. Ok, ça c'est cool. On va embusquer ici. Parce qu'au final, vous voyez, là j'aurais pu juste assommer sur prépa. Mais au final, vaut mieux embusquer qui avant était quoi? Je ne sais plus ce que j'avais mis à la place d'embusquer, mais qui était une autre carte que j'aurais pas joué là, ce tour-ci. Alors ici, on va pouvoir loot une pièce pour repiocher une carte. Ce qui nous permet de nous faire un petit assommé là-dessus. Into. Hop. Ceci ici. Bon, au final, on a la deuxième pièce qui arrive, mais on en a gardé une comme ça. Là maintenant, à tout moment, on peut faire notre combo. Donc Bran, Yogg-Saron et pièce. Parfait. Donc que disais-je? Oui. Du coup, beaucoup de deck fun cette semaine. Quasi que ça, je pense. Et après, en fin de semaine, genre vendredi, je devrais annoncer une espèce de petit planning sur... Ce qui ne veut rien dire. Voilà, là, on peut réno, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce qu'on le fait maintenant? That's question. Peut-être pas. Hein. Peut-être que ça vaut le coup qu'on continue de piocher. On va peut-être faire Reno quand même ce tour-ci. Hein. Pourquoi pas? On va faire Reno ce tour-ci. On sacrifie nos cartes. On va essayer de voir comment ça se passe les prochains tours. Et en fonction de comment ça évolue, on va probablement claquer nos sorts et après faire le combo, tout simplement pour faire. Ça fera déjà un beau Yogg-Saron ici. Hein. Donc je disais, en fin de semaine, je vais vous annoncer un petit plan de comment ça devrait se goupiller sur les prochaines semaines. C'est-à-dire que je vous dirais par exemple, le lundi il y aura du Hearthstone, le mardi il y aura tel jeu, mercredi encore du Hearthstone. Enfin, je pense faire 3 jours de Hearthstone, 2 jours d'autres jeux. Ok, ça c'est super. Il nous a rentré que 3 dégâts, ce qui est une très bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'on peut encore attendre un petit peu. On va déjà aller chercher un petit pouvoir héroïque, voilà, un pouvoir de soin. On va plutôt prendre le gain d'armure. Ensuite, on va aller évirer ça. Est-ce qu'on ferait pas ça plutôt pour jouer des sorts? On va faire ça. On va faire ça, on va prendre le trade. Bim. Et on va loot ça. Plus 3 d'attaque, ok, très bien. Et ça pour également avoir nos sorts. Là, on veut juste des sorts pour augmenter hein, le Yogg-Saron. Oh, vous voyez, ça, l'embusqué, ça fait toujours mal. Ok. Donc voilà, donc a priori il y aura probablement 2 jeux en plus de Hearthstone qui viendront probablement un le mardi, un le jeudi, je pense, rien de sûr. Je vous annonce ça vendredi normalement, dans une petite vidéo. Voilà. D'ici là, je vais essayer aujourd'hui de faire les records pour la semaine. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est pas dégueu tout ça. On va faire ça, on va lui bourrer le groin. Hein.
On va lui bourrer le groin à la mode de chez nous. On va lui renvoyer ça, je pense. On va loot ça. Armor up. Moult cartes dans ses dents. Et on finit. Alors, vous voyez, ce deck, en fait, c'est presque un deck construit. Sauf qu'il y a Yogg-Saron dedans pour faire des trucs complètement fous. Donc, si vous voulez, vous remplacez ces trois cartes, enfin, ces deux cartes, par un combo, genre du Leeroy. Vous rajoutez des puissances. Enfin, des puissances, n'importe quoi. Vous rajoutez des plus 4 d'attaque, là, je ne sais plus le nom. Ce genre de choses, et vous aurez un deck tout à fait viable. Le truc, c'est que. Peut-être un faceless, même. Mais voilà. Bah on a l'étal là. On n'aurait pas l'étal là. On a l'étal hein. Bah oui, mais du coup il quitte, on n'a pas fait notre yog. Ah, scrognogneux! Dommage. Dommage, dommage. Bon, tant pis, on repart. Allons-y, allons-y. On va essayer de refaire un beau Yogg-Saron. Bon, après, c'est plus une petite vidéo détente aujourd'hui, hein. On essaye juste de faire un beau Yogg-Saron. Que dire, que dire? Il y aura un nouveau deck fun qui arrive dans cette semaine, normalement, demain ou après-demain. Un truc assez marrant, vous verrez. Qui sert un peu à rien, mais qui est un peu cool, je trouve, personnellement. Que dire, que dire? Voilà, pour ce qui va arriver dans les prochains jours, hein, j'ai à peu près fait le tour. Je voulais simplement vous prévenir qu'en fin de semaine, il y aurait ça. Je vous invite à suivre le Facebook. Il y aura également des annonces qui seront faites sur les prochains jeux, etc. Je vous invite également à aller dans la vidéo blabla voter pour quel jeu vous avez envie de voir. Hein, parce que, comme je disais, il y aura un peu autre chose que du Hearthstone. Alors ici, est-ce qu'on fait Finlay maintenant? On pourrait, hein. En soi, on aimerait bien le pouvoir du druide, j'allais dire. Est-ce que renfort est pas mal ici? Je pense, hein. Je pense qu'on va prendre renfort. Pourquoi? Parce que renfort est un pouvoir héroïque supérieur à celui du prêtre. Qui puisse soigner ses créatures est fort, mais le fait qu'on ait... Bon bah là par contre c'est nickel cette histoire-là. Hop. Hop, on prend les trades. Renfort est un très bon pouvoir héroïque face à celui du prêtre, puisque lui peut soigner ses créas, certes, mais... En partant du principe qu'on ait plus de cartes quasiment chacun, on aura un certain avantage en mettant des tokens 1-1, en fait, tout simplement. Ok, alors ici, bon, on va simplement faire un petit renfort. Vous voyez, par exemple, ce tour-ci, on aurait eu embusqué, ça se mettait très bien. Ça se mettait très bien. Malheureusement, on l'avait pas. Ok, donc c'est du bon contrôle dans ma contrôlière. Hein. Bon, bah, on va simplement faire une petite attaque pernicieuse, on n'est pas pressé, nous. Lui non plus, hein, est pas pressé. On aurait pu, hein, Evie, faire des choses avec des cartes, mais bon. Ça se mettait tellement bien là. Il va nous falloir notre pioche. C'est toujours le même problème avec le voleur, hein. Si vous n'avez pas votre pioche, vous n'êtes pas bien. Ok. Ok. Alors ici. Écoutez, il déposera pas un gros board, donc tant qu'à faire, autant faire ça et ça. On continue de l'embêter, de l'empêcher de poser des choses. Ça nous permet de temporiser un peu. On va commencer à avoir du mal à gérer ce qu'il va nous poser. Et on n'a pas de pioche. Donc là, on est vraiment dans la situation problématique du deck. Ça arrive. Ça, c'est pas grave, hein. Ça, clairement, il aurait pu nous voler pire. Ok, on a une autre Evie. Bah écoutez, on fait ça. On fait ça et on fait ça. Hop. Et on rentre. Les dégâts. Ouais. Là, on est vraiment de plus en plus dans la panade parce que tous nos sorts sont en train de partir et notre commissaire est pas arrivé. Alors je sais que de l'extérieur, ça a l'air pas trop mal en soi la situation. On arrive tout le temps à tenir le board, mais notre main s'essouffle de plus en plus. Donc là, il va falloir espérer top deck de bonnes choses. Mal déterré, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous actuellement. Pyromancien, c'est pas très grave. Ok, préparation, on va simplement temporiser. Bon, normalement, c'est pas très grave. Il devrait pas nous mettre une grosse pression rapidement. Et en plus, maintenant, on a un mal déterré qui pourrait venir faire le café. Par contre, on a un Ragnaros qu'on peut absolument pas gérer. Et ça fait extrêmement chier.
D'autant que c'est assez bizarre qu'il joue Ragnaros, je trouve. Ah, puis là, on top deck vraiment le pire du pire. Bon, bah, on y va comme ça. Tant pis pour notre combo. Tant pis pour notre combo. Tant pis pour notre combo, on n'a pas trop le choix. Après, on pourrait camoufler ça, voilà. Bon, là, par contre, si on récupère un commissaire, il y a vraiment moyen de se remettre. Hein. Ok, ok, bah là, il tue sa créa, c'était un peu con, il a oublié de taper avec. Ragnaros, c'est très embêtant quand vous jouez voleur, parce que vous avez pas le choix, en gros. Soit vous avez le board pour le gérer, soit vous l'avez dans l'os. On va dissimuler ici simplement pour être sûr que Ragnaros est de potentiel cible plutôt que nous. S'il fait un cercle de soins, il tue sa créa et il blesse fortement celle-là, donc ça me va. On a 3, 4, 6. Là, il nous faut commissaire, absolument. Ok. Mal déterré. Tiens non. Mal déterré, vous m'en direz en bas. On va s'en servir, hein, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Normalement, il a pas de quoi tuer l'un. Et il faut prier pour que le Ragna se mette plutôt bien. Il s'est beaucoup vidé la main aussi, donc on a toutes nos chances. Aïe, 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 aïe. La deuxième au Kenai. Allez, s'il vous plaît, ou au moins Yogg-Saron. Qu'on finisse en beauté, quand même. Absolument pas. Est-ce que ça peut nous sauver, ça? Je pense pas, hein. On va en serviteur... Ouais, pff, super, hein. Plus 3 d'attaque ne change absolument rien. On a perdu. On a perdu. Dommage. Dommage, dommage, dommage. On aurait pu... s'en remettre si on avait top deck notre pioche, mais bon voilà, nos deux commissaires dans les 15 dernières cartes, ça pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Bon bah bien joué. Bon, petite vidéo sans Yogg-Saron, final, une win, une lose. Bon tant pis, c'est pas très grave. Je voulais simplement faire cette vidéo, bah, histoire de me remettre un peu dans le bain, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, comme je l'ai dit. Donc je vous rappelle tout ce qu'il y a à rappeler. Sur ce deck, n'oubliez pas les attaques pernicieuses, Yogg-Saron. Reno est très bon dans le deck. À jouer avant de balancer Yogg, bien sûr. L'embusquée excellente aussi. Sir Finlay, il est un peu en stage toujours hein, dans le deck. Donc vous n'êtes pas obligé de le garder. Sinon, donc, pour les jours à venir, je vous rappelle ce qui se passe. Cette semaine, a priori, que du Hearthstone. La semaine prochaine... On part sur des vidéos sur d'autres jeux un petit peu de temps en temps. Peut-être que cette semaine, il y aura une seule vidéo, j'en posterai qu'une, sur du Doom Online. Je sais pas du tout, je vais voir. Ça sera un peu la surprise. Toujours est-il que, donc, c'est ce qui va se passer. Pour les gagnants du concours, juste, je vous oublie pas, je vous envoie hein, vos cartes, ne vous inquiétez pas. Enfin, pour ceux qui ont participé au concours, je vous envoie vos cartes. Voilà, voilà. Sinon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Voilà. Ça m'a fait très plaisir de reprendre le stream. De reprendre un petit peu les vidéos, malgré cette longue période d'attente. On va s'y remettre, tranquillou. J'espère vous retrouver des decks un peu fun et compétitifs. Soon également, j'ai pas eu trop l'occasion d'en faire ces derniers temps, donc voilà. Du coup, et bah écoutez, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ça dépend quand vous avez regardé. À la prochaine tout le monde, salut.